Salut à tous! Vous avez remarqué, la bande-annonce du prochain Captain America Civil War est sortie. Et on a pu notamment voir la première présence du nouveau Spider-Man joué par Tom Holland pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe. Sa présence était terriblement attendue et elle a divisé les fans. Bon, déjà que le film a vocation à diviser les fans entre la team Cap et la team Iron Man. Perso, hein, je suis team Iron Man. Les fans vont une nouvelle fois se diviser sur ce Spider-Man. Au-delà du personnage qui est jeune, mais c'est normal, hein, dans le comics Civil War, il est comme ça, il a à peu près 15 ans. C'est le costume qui a beaucoup fait parler de lui. Certains diront qu'il est très classe, très sobre, d'autres qu'il est vraiment trop classique, presque enfantin, voilà, comme si c'était un pyjama, ou alors qu'il avait été fait par un gamin de 10 ans. Et bien moi je vous dirais que c'est normal que ce design soit si simpliste, parce que c'est fait par un gamin de 15 ans. Il n'y a pas la technologie d'un Iron Man, il n'y a pas le charisme d'un Captain America, ça n'a rien à voir. On est bien là sur un gamin de 15 ans qui, voilà, se lance vraiment, qui découvre ses pouvoirs, qui se découvre lui-même, d'où la voix d'adolescent qui n'a pas plu à certains. Mais moi je trouve ça très cool. Donc voilà, je suis bien hypé par ce nouveau Spider-Man qui franchement a l'air super. Le film Captain America Civil War va envoyer du pâté je pense. Ça a un peu éclipsé aussi toute la promo de Batman v Superman. Bien joué Marvel. En tout cas voilà, le film sort en avril. Il reste plus qu'un mois avant sa sortie avant de découvrir un peu plus en détail ce nouveau Spider-Man. En tout cas, moi je vous l'ai dit, ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Et bien sûr, si vous voulez le savoir, Team Cap ou Team Iron Man. Team Iron Man. Ciao.